Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bien, merci. Je voudrais tout d'abord dire que dans ma région, la plus grande masse de la population vit de l'agriculture. Et cette agriculture se pratique au sein des exploitations familiales qui sont des cellules, des micro-entreprises portées par des familles. Et généralement, ce travail est très dur et une seule personne, n'est-ce pas, ne peut pas réaliser toutes les tâches et le travail se fait en commun. Et à ce moment-là, la famille fait appel à la solidarité. Donc, les coopératives sont pour nous basées un peu sur un système de solidarité tout à fait traditionnel qui existe depuis des millénaires au niveau de nos cultures africaines. Et ces coopératives qui ont été adoptées aussi par les gouvernements ont été reconnues comme un moyen, premièrement, d'unir les forces des personnes, des populations pauvres, de pouvoir les aider à mettre ensemble leurs moyens et de pouvoir travailler ensemble, mettre leur énergie ensemble, pouvoir négocier ensemble pour pouvoir atteindre des objectifs. Et la solidarité, les coopératives renforcent également la stabilité sociale au niveau des villages, parce que les gens partagent, elles apprennent à se passer des messages d'éducation et à connaître des pratiques, à se transférer des pratiques. Donc, les coopératives, pour nous, sont véritablement un moyen de pouvoir accroître la production, par exemple au niveau de l'agriculture, accroître la productivité et aussi aider à améliorer l'accès au marché. Et en cela, les coopératives, pour nous, sont un maillon très essentiel dans l'économie rurale. Alors, les petits fermiers, effectivement, font l'objet d'un certain nombre de difficultés. Je peux classer ces difficultés sur plusieurs ordres. L'ordre institutionnel ou politique, c'est-à-dire au niveau de la stratégie globale des gouvernements, il y a un besoin véritable de promouvoir une politique incitative pour le développement des coopératives. Une politique qui prenne en compte la nécessité d'investir dans les organisations de producteurs, d'investir dans ces coopératives pour qu'elles deviennent de véritables entreprises. D'un autre côté, au sein même des coopératives, il faut un renforcement des capacités des coopératives pour qu'elles soient gérées de manière professionnelle et qu'elles soient gérées dans une dimension entrepreneuriale qui permette d'établir la confiance avec des partenaires qui veulent accompagner les coopératives. Il y a un besoin de capitaux, de financement. Seule la volonté ou la solidarité locale ne suffit plus aujourd'hui. D'abord, les gens sont pauvres, l'épargne locale est faible, donc il y a une nécessité d'apporter un soutien à l'effort local. Et ce soutien, c'est en principe des capitaux pour les investissements adaptés en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de transfert de technologies et aussi en termes d'organisation du marché pour limiter les pertes post-récolte,
Souvent, les populations perdent au moins 30% de leur récolte après la moisson. Et ça, c'est une nécessité de pouvoir répondre à cette question d'accès au marché. Et l'un des défis également, c'est la participation. C'est pour cela, notamment les femmes. Les femmes sont une composante importante. Il est important aujourd'hui que les coopératives donnent un accent particulier aux femmes et aux jeunes. Notamment, les femmes constituent 60% de la production. Il est important qu'il y ait des programmes spécifiques pour renforcer leurs capacités, pour qu'elles arrivent à éclore leur dynamisme interne en termes de productrice, en termes de transformation des produits, en termes de commercialisation. Et en ce qui concerne les jeunes, les coopératives peuvent également être un moyen d'attraction des jeunes dans les villages. Si les jeunes voient que la coopérative est un moyen pour pouvoir mieux produire, mieux vendre les produits et créer de la richesse, les coopératives peuvent attirer les jeunes dans les villages pour que les campagnes soient repeuplées et que les jeunes créent des emplois et que la stabilité dans les pays revienne. Ça, c'est l'un des défis. Et l'autre défi, c'est le dialogue avec tous les acteurs dans la localité pour que les coopératives prennent véritablement leur essor et doivent avoir le soutien des États, des gouvernements, le soutien de leur environnement pour comprendre qu'elles rendent un service, elles rendent des services aux communautés, des services de proximité. Donc, il faut que les communautés encouragent les coopératives, que les partenaires au développement encouragent les coopératives et que même le secteur privé voit comment établir les liens avec les coopératives. Si elles produisent, comment le secteur privé qui est à côté peut reprendre les produits pour transformer ou alors assurer le transport ou bien assurer l'empaquetage des produits pour pouvoir les mettre sur le marché. Donc, il y a un besoin d'un espace multi-acteurs pour décider ensemble de comment on peut travailler à assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Je dois dire que je voudrais d'abord remercier les Nations Unies, la FAO qui a décidé de me consacrer ambassadrice spéciale des coopératives pour la FAO. Pour moi, c'est d'abord une reconnaissance du travail que les coopératives abattent et à reconnaître également le rôle des femmes et le rôle en tant qu'agricultrice dans la contribution à la sécurité alimentaire. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est premièrement de soutenir la FAO dans ses missions de sécurité alimentaire, de rendre visibles les efforts que la FAO mène en tant qu'institution avec ses organisations sœurs de Rome sur le travail qui est fait au niveau de la base. Et ce travail, je devrais le porter à des niveaux, au niveau de la communauté, au niveau du pays, au niveau de la région et même au niveau de très haut niveau, c'est-à-dire des décideurs. Un exemple, j'ai rencontré le premier ministre de la République centrafricaine pour parler des coopératives. J'ai rencontré les ministres d'agriculture, les ministres de la promotion des femmes, tout cela pour intéresser les gouvernants à adopter l'entreprise coopérative comme un moyen pour réduire la pauvreté, un moyen pour lutter contre la faim, un moyen pour la sécurité alimentaire. Donc, mon rôle, il est intermédiaire, à la fois parler aux décideurs dans un cas de plaidoyer et parler à la population pour les convaincre que c'est un moyen essentiel comme entreprise. Parce que les paysans sont les premiers entrepreneurs, ils sont les premiers investisseurs. Donc, il faut valoriser ce travail à travers les coopératives et aussi un moyen de pouvoir recevoir
quand c'est possible, le soutien de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas aller soutenir chacun dans sa maison. Donc, il faut constituer des groupes importants pour se faire entendre, pour mieux faire prendre en compte les préoccupations des petits producteurs et également les femmes et les jeunes, et pour participer au développement et à la maîtrise de la sécurité alimentaire. Merci, c'est moi qui vous remercie.